ici à 1000 mètres d'altitude, hein, à peu près. Sur laquelle il va pouvoir descendre. Sur le plateau des motos de course. La 350 FM. Ça va être bon. Avec une paire de touristes qui viennent de passer. Ils sont là chaque année. Donc vous marquerez dans le timing, on respecte quand même pas mal ces données-là de monter, puisque on va pouvoir les attendre. Non, c'est une régularité. 4 cylindres, ça serait bien dans le sac. On va 4 cylindres. Davidson. Il y a la Honda 4 cylindres en expo. Vraiment. Alors regardez la magnifique émission carénage intégral. Elle est super comme elle est belle. Regarde. Les deux MZ dont je vous parlais, les deux MZ. De nouveau, Tim Redman. Fort champion du monde. Dans un deck commun. Sophie Pantin. Jean-Claude Castella. Donc Servet. Mmh.
Là. Très varié. Alors de nouveau, une magnifique petite Honda des années 60. Champion du monde. Dans un deck commun. Petit Pantin. Jean-Claude Castella. Donc Servet. Morocco ex Patrick France. Et puis vous avez vu que c'est pas là également. Godiez Lou qui arrive. Magnifique triomphe. Passer le triomphe, les syllabes. La blonde, moi, c'est la nature, la caille, c'est la jambe de l'épargne. Gordieuse, le pot de Pantax. Voilà, moteur. Gordieuse, nous. Et une moto cuisine, magnifique cuisine. Alors tu arrives juste devant nous, Nyama TZ. Et toute une lignée de moto avec au centre une balle. Thank you.
7. Vélo 7. Voilà une très belle BSA 250. Peut-être deux. Alors vous avez eu les sites de course qui sont là. Et puis là encore certainement un BMW, j'imagine. Exactement. Voilà. Voilà les trois BMW là sont passés. Encore le chemin sont passés. Il y a aussi les sites de temps. Aussi que... un deuxième BMW. Voilà, Alors nous avons vu passer en bleu de 250 Tiger. Et voici Eric Bozo à son side. Donc je suis à leur côté et je pense que d'ici deux minutes ça va descendre. Donc je remercie. I hope they enjoyed the watching this ride up the hill and ride together. It's really a treat. Vous avez compris que Tony Spencer a passé une très belle journée, qu'il a trouvé que c'était une montée. C'est pas quelque chose qu'il fait d'habitude, oui, c'est vraiment un très plaisir. Yes. Ok, donc vous savez qu'officiellement, c'est la dernière navette qui descendra, bien sûr que la pente, puisqu'il y en a une dernière qui remontera après, c'est fini. Donc je vous le dis, profitez-en, et puis bonne journée.